Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il fait exactement 8h01. Alors, ou même qui fait brancher là, sous fait brancher, m'a dit ou que bienvenue dans show de Musician Show. C'est un show qui est présenté par Ralph Condé chaque mercredi de 8h à 10h. Et bien, aujourd'hui, nous avons un bel show pour nous. Nous avons un bel show pour nous parce que nous avons pile bagarre pour le faire. Nous avons des gens qui commencent à monter là. Nous déjà big up George Day. Comme nous allons écran, mes amis, chers, parce que nous avons un bon show pour nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir une légende. Côté nous connaissons, et chaque mercredi, nous toujours des artistes invités. Ah, mais aujourd'hui, la légende nous allons recevoir, c'est M. T. Claude Marcelin, un guitariste qui passe de présentation, qui moun qui pas contre T. Claude Marcelin. T. Claude Marcelin, mais même, quand dit que l'époque, l'homme tape et jouer musique, l'homme fait paraître la musique, et bien, T. Claude, c'est un monde que même, comme qu'on apprécie, m'attendait en pile. Un paquet de bonnes players, ça, ou players, next generation, ça, génération, d'Akadou, 70, là, 60, 70 et 80. Next, ça, qui était en pile, bagaille pour nous. Bon, et Claude Formdou que welcome sur The Musician Show. Show ça a son show qui est The Musician Show, comme vous connaissez, son musicien qui a fait un show, qui pral faire une interview avec un autre musicien pareil. Eh bien, n'a pour elle comme déjà, et Claude, moi figé à frame, par contre, si c'est Montréal là qu'il faut. Qui faut bien, comme ça, Claude? Hein? Ralph, mon cher, pour ça, un compliment, ma première série, et ma tout merci tout pour l'invitation. Ok. Ça fait un plaisir en pile, qu'on invite moi. Et puis, mon cher, avant de commencer le show, ma pensée spéciale pour tout le monde qui est affecté par problème, maladie, pandémie que nous avons subi là. Ok. Spécialement, ouais, tous les compatriotes, nous, d'origine haïtienne, okay. New York, tout le côté, parce que nous n'avons pas trop bon. Donc, oui, oui, n'a que nous la pensée que nous conserver parce que c'est ça. Claude, font-il descendre téléphone légèrement et parce que on tige en 3 haut pour qu'on toute figure là et quand on tige en 3 haut, font-il descendre. Exact, voilà, exactement. Non bien caméra. Ou grade là, normal. On parle qu'on aime ton tout. Bon, forme du Claude, nous avons pile musicien en bas, ou avons pile musicien là en bas là, nous avons Toto là en bas là, tout Robert Martino. Nous avons pas quelques gros mon en bas là, Cap Gado là, gros fanatique ou là, on a le cadre. Nous avons pas quelques bonnes nègres en bas là, Cap Gado. Et Claude, première question que pour vous, l'ancri premier jazz ou commencé et à qui l'âge vous commencez? Ralph, moi fait dans un quartier côté que comment t'as dit ça là? Pratiquement tout le monde au quartier était fanatique musique. OK. Et grand soeur moi, grand frère moi, zanmi yo et puis sous quartier ça, nous t'ai gain Robert Martino qui t'habitait quartier Henri Célestin et Porky Hérissé. Tout monsieur ça, il faut te former. Le difficile. Okay. Et le difficile, c'est répéter, comme je t'explique. Là, le difficile, c'est répéter, mais là, quand même temps de répétition. C'est pour t'expliquer la proximité que tu gagnes entre moi-même avec. Donc, c'est ça qui fait que là, moi-même, j'ai commencé à jouer guitare. Et c'est Robert Martino, qui m'apprend net. Ça veut dire que toute musique Robert, je connais par cœur. Et pour moi-même, c'était quoi, comme ça, c'était mon maître à penser, musicalement parlant.
Alors Robert, sur un bas live là, vous attendez que vous soyez une inspiration que Claude. Et alors Robert, attendez là. Non, Robert comme ça. Robert comme ça. Ouais. Robert comme ça. Et je réponds du tout que pratiquement l'homme a une chance fait bon. Première plaque, je ne vais pas dire plaque solo, parce que plaque là, c'est sorti sur nos mini All Stars. Ok. Mais au départ, c'est un projet que qui était supposé plaque solo. Et de réaliser rêve en quelque sorte, parce que c'est à Robert Martineau que Plaxa a fait. Ok. Et Robert fait des magnifiques solos dans Plaxa, son musique, les regards de Moran. Et puis, mon cher, nous t'ai fait une belle réalisation. Okay. Et c'était réalisation rêve et tout quelque part, parce que c'était toujours, ça me t'a envie de faire, font Plaxa avec Robert. Ok. Mais ça, bon, nous pas entrer dans ça, parce que ça c'est après. Et mes amis, m'a dit nous tout, et ou même quand regardez là, sous tag n'importe question pour Claude, on met écrit dans la live là nous-mêmes et n'a pas transmettre lui. Et Claude, alors, oui. Donc, je commence à faire une question depuis avant le choix. Depuis avant le choix, on n'a pas réglé, on n'a pas posé une question sur le choix parfait là. Les gars. Monsieur, monsieur, on est dans le choix. Exactement, exactement. Et Claude, une autre question, M. Gepou, c'est que époque, et on a dit que. Et dit époque difficile gypsy. On connaît époque ça pour koge keyboard, OK, c'était guitare. OK. Pour quand même gain après ça tu vinn gain accordéon mais même m'a prêté là époque gypsy difficile. C'était guitare tu commencé musique, guitare fini musique, guitare fait accompagnement, guitare fait solo, guitare fait coda, guitare fait tout bagaille. Comment guitare richio tu travailles époque ça? Ralph, si on n'est pas maîtrisé l'instrument, et pour ça, on n'est pas jouer non jazz. Parce que pratiquement, tout jazz là, t'es reposé sur guitare solo. Ok. Les m'a dit ça, bon, il y a quelques exceptions quand même, parce que les flûches, t'es un saxophone, et puis ambassadeur, t'es un saxophone et haut. Oh. Mais des orchestres au tabou combo à l'époque, ou difficile, dipsy, orchestre, oh, finalement, c'était. Et si tu veux, principal bagage là, c'est guitare solo. Ok, guitare solo. Et ça me dit dans le bagage tout, c'est que c'est pas seulement le copain direct. C'est pas seulement le copain direct, parce qu'à l'époque, m'a bien dit par exemple, on écoute Jimi Hendrix. Ouais. Jimi Hendrix t'a chanté tout, hein. Jimi Hendrix t'a chanté tout, mais il n'y a pas, si vous voulez, pas changer Jimi Hendrix comme chanteur. Okay. Il a changé Jimi Hendrix comme guitariste. Yeah. Et Eric Clapton, pareil, c'est des messieurs, c'est des workers fameux, c'est des mecs qu'on connaît très bien dans le domaine pop music américaine. Et il y a un peu de monde qui a compris ça, m'a dit. Et à l'époque, les mecs qui étaient vraiment stars dans le groupe, c'était guitariste. Par exemple, pas Carlos Santana. Okay. T'es un chanteur dans Carlos Santana, mais c'est Carlos Santana qui était la principale attraction, c'est lui, mon Dieu, t'es venu regarder. Dans Led Zeppelin, pareil, si on connaît Led Zeppelin, là, on sait Jimmy Page qui est l'attraction. Ouais. Donc c'est ton époque qu'on sait, guitare là, c'est l'instrument vedette là, et guitariste là, c'est le rôle principal. Et si on n'est pas bon, tout bon, ou pas capable qu'il y ait... Elle a dit que j'en dis que fortegon certaine d'agadio et knowledge, fortegon petit niveau quand même, pour qu'on t'a joué dans le jazz ça, parce que c'est quoi faire comparément, bon, bien que solo a été pris, est vrai, mais j'en dis vraiment, il faut qu'on t'ait bon niveau quand même. Oui, il faut te maîtriser sûr. Définitivement, il faut te... Parce que, ma regarde, bon, nous venons d'apprendre, par exemple, prendre deux, trois plaques dipsy ou à prétendre actuellement, font les groupes, dupliquer de base, pour refaire, il faut rien, il faut rien dire à ça. Ok, Claude. Il y en a une autre question, et que je pour vous, c'est que, et il y a plein de monde qui ne connaît que, je dis, comment dit nous ça, chose ça, son chose, c'est un show éducatif en même temps on a découvert en pile bagage que nous pas connaît surtout leur moins bon invité et de ces débats avec artistes là et grand pile monde qui pas connaît que Claude Marcelin c'est un membre fondateur d'IP Express des monde qui pas connaît ça Claude expliquez nous transition ça comment ça a été fait et on va parler de comment d'IP Express formé parce que c'est un membre fondateur d'IP Express. Comment DP de transition de bah qu'on est difficile qui vient quoi c'est difficile qui vient DP right
Oui, tout à fait. C'est dit, Hein, soit dit à ça. Expliquez-nous transition ça et comment on peut le former DP Express parce que c'est un membre fondateur DP Express. Et pourquoi il y a un map duo, c'est que DP Express, le commencé, c'est Saint-Saint et Renaud Nader. OK. C'est monsieur qui a commencé avec DP Express. OK. C'est monsieur qui a commencé le guitare accompagnement avec Negro. Et puis à l'époque, Robert Martino était New York toujours. Ou bien, Robert était fort, qu'est-ce qui était les Bruno Sunshine, pas une songe trop bien. Mais ils n'ont pas tapé ensemble. Saint-Saint était dans DP. Et puis Robert a fait le bagage. Même à l'époque, j'ai fait quitter Dipsy. J'ai fait quitter Dipsy et puis pas de l'orchestre. OK. Et puis, le Robert a décidé de faire Scorpio. Saint-Saint, qui prend Saint-Saint avec Robert, c'est parce qu'on a un bruit, on est aussi dans le câble de musique depuis longtemps. Saint-Saint avait ça avec Robert dans Scorpio. Et puis, Nec Dipio vient faire appel à moi-même pour OK. remplacer Saint-Saint. Donc, m'entrer dans DP, peut-être, pas qu'on est peut-être 4 mois, 4 ou 5 mois après que DP finisse formé. OK. So, Jazz a été informé avant qu'on entre là-dedans. Oui, OK. Jazz a été formé avec Saint-Saint, et puis Jim Willia, et d'abus, t'as fait solo, et puis Porky t'as fait basse, t'as vu basse, OK, Porky de OK. regretter mémoire. OK. Et Claude, de nos jours, le compas direct là, comme nous t'es toujours qu'on est guitare, le compas direct là formé avec deux guitares là-dedans. De nos jours, nous jouons un pile jeune Kounia qui a perdu deuxième guitare, qui a perdu accompagnement guitare. Et Negio, tout nèg voulait jouer solo. Tout nèg voulait faire solo. Mais Negio pas comprendre que solo a son autre skill. Accompagnement aussi, m pa pral di li pi important parce que solo, mais il y a importance si tout. Parce que accompagnement guitare, c'est tant comme d'ado son drap que ou fait en bas musique là. Vous comprenez? Et même moi, j'ai chance pour me jouer avec des grands, yon nan, gadou yon nan, que me respecter l'accompagnement, que me fait un pile temps jouer avec, c'est Jean-Claude Jean. M'a bien pour m'inviter Jean-Claude Jean très bientôt tout pour le vin bal secret par là. Mais comment, ouais, et moi, senti n'a perdu guitare accompagnement, surtout dans jeune groupe yo kap jwe kon a. Comment est le problème ça? Pas prêt, ça vraiment un problème parce que Ralph, vous connaissez que la musique là, c'est un bail qui est statique, son bail qui a évolué, son bail qui est dynamique, qui a changé tout le temps. Et il changeait, c'est-à-dire que Jean, par exemple, nous étions joué avant, et génération actuelle là, il n'est pas joué comme ça. Jean Dia, guitariste sur tendance, tout le monde a fait ligne. Par contre, on guitare accompagnement vraiment cap kembe, rien, compas direct là, comme on dit là. Moi-même, moi, je crois que finalement, compas direct basé sur guitare. Pour te mettre un bon keyboard player, pas gagné que remplacer deux guitares qui ont joué bien dans compas direct. Ouais, parce que D'après c'est moi. comme ça qu'elle a commencé. Oui, c'est comme ça qu'on va dire. Enfin, mini jazz, c'est comme ça qu'on a commencé. Toujours, par exemple, il y a des pe-guitares célèbres, ou bien Robert Saint-Saint, ou bien Dado avec Jean-Claude Jean, et tant d'autres. Et c'est difficile pour battre un orchestre qu'on va dire qui est deux bons guitaristes à là. C'est très difficile parce que groove qu'on va dire, la vraie groove qu'on va dire, c'est la vie. Je fais expérience, par exemple, dans Superstar Music Machine avec Jean-Claude Jean, et Jean-Claude Dia. Jean-Claude Jean, c'est d'après moi, c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur accompagnateur que Compas Direct a gagné. Et Jean Dia tout, c'est tradition, ça a nous guettant dans ce pédule, malheureusement. Et moi-même, ça me croit qu'il fait ça, c'est que généralement, l'orchestre, c'est guitariste soliste là, dans vedette. Guitariste accompagnateur joue un rôle plutôt en retrait. Donc, tout n'est que d'arriver en vedette. Tout n'est pas ma vedette, ouais, c'est ça, c'est ça, C'est c'est ça le ça. problème. Non, Et et puis, tout n'est qu'on y a là, les jouer solo. Donc, ça lui fait que, on pas littéralement les intéressés à jouer, qu'ils apprennent à jouer accompagnement, apprennent à faire accompagnement. ah ouais. Mais on a et Claude, bon, l'autre question maintenant. L'autre prend par exemple, en parlant de accompagnement, l'autre prend avec tant que Jean-Claude Jean, Saint-Saint, Tipolis, défunt Tipolis, et on prend vous-même, Claude. Moi-même, moi, il est nos master. Moi, il est nos master. Et surtout, l'embagaille gragé. Et côté méthode ça, comment apprendre méthode ça? Parce que moi-même,
Moi, gager tout, mais c'est comme si. Ka gager tout, mais nous-mêmes, nous avons Mac Fabrique. Comment on développe méthode ça, méthode gager ça? Et c'est alors avant pour me faire mon et avant m'a fait mon temps dans bagaille Claude parce que nous-mêmes l'on a parlé nous gain document pour me faire mon temps parce que c'est ça qui chose là. On va faire nous temps des petits Claude long musique caribéen sextet que monsieur font bagaille enragé mais même c'est deux nèg qui fait bagaille ça qui était c'est des fins petits police qui te font grager comme ça dans l'univers et dans l'univers, dans frère des gens. Alors, on va faire nous entendre Tite Claude qui font un bagage enragé. Je ne sais pas si côté Tite Claude paraît à droite ça, à combien de pour faire bagage ça. On a le temps pour nous entendre bagage. Les amis, tendez bien, tendez. Même bagala. Claude, m'pa konn si son tambour d'abus ou guitare les ça, m'pa konn ça lié, mais mon cher, expliquez-moi bagay ça, j'en fais bagay ça parce que m'pa ka comprendre. Mes amis, entendez encore avant de battre le palais. Share le live. N'a pas regardé en prière qui est avec nous là. Et Diboni. Welcome. Ne bagala. Claude, expliquez-moi mouvement ça parce que même pas comprendre mouvement ça même. Expliquez-moi comment on fait mouvement ça. Est-ce qu'on fait mouvement ça et tout bon, pas dire est-ce qu'on fait faire c'est fait. Expliquez-nous mouvement ça. Dans les années 70, ça m'a parlé de fin des années 70, c'est comme ça qu'on pas direct jouer. Il faut que des accompagnateurs qui faire même son rôle sur temps là. OK. Moi-même, je suis Robert, puis je suis là, mais je suis Saint-Saint. Donc, même si je suis étudié Robert Matino, je suis étudié Saint-Saint, je suis étudié Jean-Claude Jean. OK. Donc, c'est deux monsieur ça, que je viens jouer une technique. Ça. OK. Et pour ça, comme de toute génération, je parle de Tipolis, je parle de Wilfried Lafont, de Regretter Mémoire, qui était maestro de toute génération ça. Soit on fait ou t'es fait tout. Parce que nous avons vécu l'époque là et puis nous avons influencé par même bagaille. Donc, ouais. Malheureusement, la génération actuelle là, il n'est pas, si tu veux, il n'est pas joué un héritage ça, il n'est pas exploité. Ouais, ouais. Mais c'est une, si tu veux, atout qui te fait que la musique nous a été dominée sous toute Caraïbe profonde. C'est parce que ça, ouais, là, son bagaille qui est typiquement haïtien lié. Ouais. La difficile pour un Martinique qui a fait ça, la difficile. Non. C'est même gens tout. Calé cymbal là. Ouais, l'on haïtien calé cymbal. C'est les mêmes choses. Ou mettre prend entier, même le USC jouer compar même j'avais. Guedes jazz entier, c'est bien joué compar. Oui. Mais gon dernier bagay, gon dernier swing, ou senti que nèg haïtien comme si entier bagay. Bon dernier swing, wapi, ouais. C'est même gentil. Par exemple, quand je songe à l'arrivé aux Antilles, il y a un hôtel qui prend guitare, il vient dans l'hôtel, il vient dans la chambre, il vient montrer. Ralph, comment on fait ça? Vous comprenez? C'est pas faute. Nego, pas comprendre, nous disons, d'ailleurs, faut haïtien, c'est l'un son lié. Parce qu'il faut grandir avec elle. Quand on montre, même le nego essaye de faire, on dit, il fait, mais ouais, on dit, boiteux. Est-ce que vous avez fait le même genre? Vous n'avez jamais fait le même genre. Mais Claude, je me pose une autre question. Je pense que vous passez en pile et pas oublier que avant nous entrer dans la carrière solo de Claude, et
ou joue avec un pile guitariste. Parce que l'époque pour là, bon, jusqu'à présent, tout jazz qu'on va dire, ou joue avec un pile bon player. Ou passer dans Gypsy, ou jouer avec player, ou passer dans difficile, ou jouer dans DP, ou jouer avec quelque soit jazz ou placer. Dans tout player qu'on joue avec, qui est-ce qui plus manquer? Qui est-ce qui plus manquer? Bon, forme donc, moi passer dans différents groupes, même pas toujours jouer même rôle. Oui, mais quand même, par exemple, on toujours joue avec un guitar player. Non, ça me dit tout. Je vais expliquer ça me dit les deux là plus bien. Gagner l'un dans des groupes, je joue solo. Gagner l'un dans des groupes, je joue accompagnement. Parce que moi, je fais tous les deux. Par exemple, les bars n'est pas qu'on est, mais ils font certains temps à Dadou Basket, dans ma dôme. Ok, ouais. Ils passent certains temps à Dadou. Et moi, je passe certains temps à voir au Ben Scorpio. Donc, c'est un accompagnement que j'ai fait. Mais vu que moi-même, je suis plus soliste finalement qu'accompagnement. Mais son équipe m'a fait solo, m'a plus plaisir que les m'a fait accompagnement. Donc, je crois que l'expérience qui m'a marqué, c'est l'expérience superstar avec Claude Jean. Ok. Donc, c'est l'expérience qui m'a marqué. J'entends aussi un équipe qui m'a marqué, le sens de l'équipe qui a joué avec. Oui, et forme donc, je ne suis pas marqué seulement au point de vue musicien. Monsieur Marc, mon point de vue personnage, tout. Ok. Monsieur Sonnet oui, qui. Son crème garçon. Ah ouais, monsieur Sonnet quand oui. Même. Oui, oui. C'est une belle expérience dans Superstar. Et forme d'auto Ralph, bon, peut-être qu'on part suivre groupe ça avec attention, mais son groupe qui était conçu, c'est extraordinaire. Hein. Même, Superstar, la famille mais moi, songeais parce que le Jean-Claude Jean retournait avec Dove Chancy, Negovine, Haïti, Nego qui était à Boukombo, Negovine fait Superstar. Et bien, c'est même époque, Papa Chaparet. C'est oui, même époque, oui. 88, 89, les Sanam Zénith et toute époque ça. Donc, son époque et que moi connais très, 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 très bien. Je connais époque ça très, très, très bien. Vous comprenez? Et, gampi moun ki pa konnen, Claude, nous pas le faire moun autant d'ombaga, gampi moun ki pa konnen tout que Claude, ou t'as parlé man les coulisses que, ou t'es l'an gypsy. Avec, oui. avec Antipolis. On fait mon temps d'anti musique de Gypsy qui ont dit on musique les baron. On entend ça. Parce que c'est Claude Masselin avec Antipolis qui a joué là. Musique ça les baron. Tant pis, douette. Les amis, si nous faisons brancher, cher live là, on a parlé avec un gros monde là. Ce sont monuments de la musique haïtienne, on a parlé de si Claude Masselin. Claude m'a fait revivre ancien temps là. Ah, ouais. Et ça fait me changer type pour l'Isapil. Ouais. Donc, bon musicien. Hein? Mais expliquez-nous l'époque ça. Parce que quand même, il y a des gens qui ne pas connaît duo ça. Un type pour l'Isapil avec un type de Masselin. Époque Gypsy ça. Expliquez-nous comment nous pouvons aller. Venir rencontrer pour nous faire. Pour nous jouer ensemble là. Dans Gypsy. Oui, bon, forme de. Tipolis, c'est. Tipolis, c'est Nec Pétionville. Nous levons ensemble.
Là, nous commençons dans le DPC, c'est parti pour le ski t'as vu, c'était on a quitté là à l'export. OK. Et monsieur vient parti, et puis c'est Frère Tipolis là qui était, c'est Thibaut Benozil qui était joué tambour. Frère Tipolis là, et vient Frère Tipolis entrer dans le groupe là. Et puis c'est à OK. partir de là que Polis commençait à jouer avec nous. OK. Et mon cher, c'était vraiment bon expérience parce que plaque ça vous attendez là. Jusqu'à présent, il y a des Martiniques qui ont pris l'aim, qui ont dit comment je fais ci, comment ça a été fait ça, comment. Son plaque qui Oui. m'a marqué Martinique en pile. Et il y a une musique dans la plaque, ça s'appelle Una Monieka, OK. que reprend dans l'âge d'or du compas ou bien l'âge d'or des Dipsy. Cette musique, ça a été compartie Santana, que j'ai fait la dernière. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de bail ça. Et son plaque qui est Ouais. sorti dans les années 70. Hein. OK. Donc c'est pour te Ouais, dire que mon cher, l'autre ça a parlé vraiment de musique, longtemps. ça, on dit, Ralph, qu'on musique que les barons, altant des musiques, ça, ben, mon cher, mal fait recherche, jouer une musique, ça, et c'est normal, c'est, on a parlé de Ti-Claude Bassin, qui sont les jeunes de la musique haïtienne, donc, nous obligés faire mon yo connaît, parce que, il y a un pile monde qui pas contre l'école, ça, vous comprenez, et l'école, ça. Mais Claude, et nous parlons, avant d'entrer dans bon, l'autre bagarre encore, il y a des bagailles que, je ne sais pas si vous ça longtemps, la musique là, chaque musique qui fait, chaque jazz qui sort en musique, il y a qui pour faire, il y a partie de la musique qui pour faire parler de musiciens. Il y a ces tambourineurs, il y a ces gongistes là, il y a ces guitaristes là. Mais de nos jours, qu'on n'a pas joué ça, qu'on est à tout pour nous chanteurs, y a tant comme si, ou senti que, pas gain, ou attendre un DP Express, ou attendre une cloche, clo-clo, ah, ou attendre des couloutes, choupites font bagaille quand même, ou prendre. Donc, pas qu'on s'ouvre élaborer de ça. Est-ce que musicien, est-ce que vous pensez que musicien ont été beaucoup plus le fait que vous avez travaillé ensemble, parce que pour qu'on gagne six coins, vous avez rentré dans le studio, vous avez expliqué une première question. C'est, si vous l'avez dans le studio, vous n'avez pas une question de. À le refaire, à refaire. C'est pour apprendre le son, pour collager one track. Hein, musique au sortant de là, c'est qu'on s'est enregistré, par exemple. C'est-à-dire que c'est tout nègre pour te partition du début à la fin. Si on l'a perdu dans la musique là, obligé de reprendre la musique là dès le départ. Pas de rien à faire correction, pas de rien à faire comme ça. Qu'on a une plus facile. La une plus facile, sous perdu, on a refait la 20 000 fois jusqu'à ce qu'on fait le bien. Et pour que ça, pas de rien ça, c'est faire le bien du premier coup. Bon, qui pose une question là, Nap salué et Jean-Claude Junior Vaval qui est en bas live là. Monsieur Mandé, Claude, est-ce que tu as appliqué quatrième dimension dans l'époque ça et fait télé en quatrième dimension? Oui, bon, musique, nous t'apprenons des talents, il y a une quatrième dimension la dernière. OK. Il y a une quatrième dimension, et bon, et pour ça, on va être capable de pas employer, parce que c'était ça qui a Mais marché. expliquez Mounio, qui ça qui vraiment qui quatrième dimension? Parce que je suppose que y a un guitariste qui est là, capitaine de nous là. Donc il y a Marco, Divine et capitaine de nous. Nous n'avons pas quatre musiciens en bas là. Donc expliquez Mounio qui ça vraiment qui ça. Moi je connais que c'est son pédalier, mais comment son ça a été fonctionné? Comment t'es appliqué? C'est, si tu veux, c'est même, il jouait même rôle avec une rôle que pédale de jouer qu'on y a. Par exemple, on a utilisé chorus là. Gonjan ou avec les chorus là, qui a appelé quatrième dimension en pile. OK. Gonjan ou avec les chorus là, il plus ou moins bon son quatrième dimension. Mais quatrième dimension, c'est pas ton pédale. OK. C'était, comment t'expliquer ça? C'était, si tu veux, un ajout que tu fais sous amplificateur Fender seulement. C'est-à-dire que, Oh, donc c'est vrai. sont effectués en dans amplificateur. Non, il n'y a pas tant d'amplificateurs. OK. Soit il fait côté capable ajouter, soit n'importe quel amplificateur Fender, automatiquement, quand il y a un reverb. Oh, ajoutez ouais, OK. Parce que entrée OK. quatrième dimension, c'est là. Alors, ça m'a dit là, on dit en technique, si on n'est pas guitariste, si on n'a pas compris, ou on entrée derrière, par exemple, super reverb, twin reverb, ou entrée derrière à côté connecté reverb là. OK, C'est OK. l'entrée ça à côté connecté quatrième dimension. Donc, si par exemple, vous avez un amplificateur Yamaha, on va pas utiliser. OK. Alors, c'est même genre avec l'époque, le haut bien paraît avec un talk box là tout. Donc, il faut que c'est son tube, que le DE. Il faut que tu aies prié pour lui quitter qu'à prendre talk box là. Il faut que tu aies un output speaker DL pour qu'à connecter talk box là. Donc, c'est à peu près. C'est à peu près même, ouais, à Et peu près même genre de même bail. bagarre Bon, bagage, ça aussi, là. si tu veux, précéder ça que nous avons connu, pédale que nous avons connu, je pédale que nous avons connu, pas de Ouais. bail, ça va être pour ça.
Donc, quatrième dimension, top box, bah, c'était des effets spéciaux pour guitare qui précédaient les effets que nous connaissons. C'était Ouais. première génération, je voulais. Génération. Claude, nous pas le faire mon temps dans l'autre bail parce que nous n'avons pas là avec ti Claude Maslin, c'est où son nèg qui font paquet de bagaille dans guitare Claude Babomanti et mais même moi respecter et génération ça me respecter parce que m'apprendre en pile de nous-mêmes. DP Express c'était jazz moi et DP Express et Caribbean. Mais même génération ça mon cher. M'a dit nous merci parce que va prendre en pile de nous-mêmes naturellement m'vin mettre input parmi tout vous comprenez? Là pour musique tant qu'on s'en va faire mon tendez on l'autre bagaille mais même époque ça Claude si un guitariste ou commencer jouer guitare ou pas apprendre ça ou pas connaître jouer guitare et son bagaille qui rete le palmarès sous son bagaille ou fait son tête musique ou fait l'on musique deep express ou les parler parler en attendant ça. Ça fait m'a pas joindre ça qu'on y a encore dans génération ça comme cela. Justement parler avant parler de ça, mandez-moi comment on fait paraître avec idée ça, tête musique ça. Bon, forme donc, tête musique ça, pour l'époque c'est un bail qui était comme sorti de l'ordinaire, presque même révolutionnaire, si je suis capable de dire, parce que il n'y a pas de. Bon, d'ailleurs, pas de musique qui était commencée comme ça, pas de vraiment, pas de vraiment musique qui commençait comme ça à l'époque. Et secondo, Bobby était venu mettre un chorus sous guitare. OK. C'est sous-tendu bien après que le guitare est fait sous lui. C'était peut-être première fois, une des premières fois que j'ai les écouches sous guitare et puis t'es Robert aussi dit en bon bagage, évidence. Robert en balave là, Robert dit bon bagage. Gè Toto là, là, Toto dit, ah, ça c'est papa gragé. Oui. Ouais, monsieur. Continuez. Et bon, ma salue avec YouTube parce que monsieur, Oui. c'est l'équipement. Hein? Et Robert, Toto, là, c'est vous main. Oui. Monsieur, nous là. Yeah, je vais m'abdou là. Ouais, musique ça, regarde. Je me changeais. Première fois que je jouais musique ça, c'était Cabane Chocone, quoi. Un tandem de crack. On va dire le tandem de crack, c'est nos programmes chaque dimanche. La génération me compte de qui ça m'a parlé. OK. Monsieur, musique ça, nous sommes obligés de jouer 4 fois une d'elles. Wow. Ouais, chaque fois nous finissons de jouer, nous disons bis. Chaque fois, bis, bis, Mandé nous jouons encore. 4 fois une de l'autre. OK. Alors, forme de DP Express, ça. Moi, je regrette que je dis, oui, peut-être pas en bas live. Là, je ne dis pas qui suit, c'est tellement. N'abgé boule DP boule tout. Express, ça, c'est ton bar extraordinaire. DP Express, pas que contact à l'épargne, là, c'est ton bar extraordinaire. Ouais. Époque, Timon, nous avons une différence. Timon, nous avons un pile succès et mon nom vient aussi, j'ai oublié, pour que ça, par rapport à succès que Époque, Timon, nous avons fait. Mais DP Express a été fait des bâtiments. DP OK. Express, pas prendre contact et parler par l'eau là. Nous fait près de 2 ans à vue chaque soir. Wow, chaque soir. Nous conduisons chaque soir pratiquement. Lundi, mardi, Et mercredi, jeudi, vendredi, ah, samedi, nous dimanche. presque chaque soir. Chaque soir. Et il y a des jours même, nous avons conduit 3 fois, non seulement une journée. Wow, C'est-à-dire que nous avons conduit Kermesse un matin, nous Kermesse dans l'après-midi et puis nous jouons balle dans la soirée. bah, ça, c'est seul aux Antilles. Je ne suis pas content de te confier. Haïti, c'est seul aux Antilles. Je suis content de jazz. Je vais aller, je vais faire 2-3 gigs dans une journée. Je Là, suis content ça qui existe t'aime à Joe. Haïti. Il aime de ça que t'es plus grave. Il t'a déjà ça tellement de monde que quand l'un déjà t'a obligé de séparer en deux. Wow. Déjà Mes ça amis, t'a obligé de séparer en deux. tendez, ça qu'a parlé là, son paquet, c'est histoire qu'a fait là. Ah bon? Et Ok. oui, c'est des bagailles que j'ai dit en ce moment là-bas qu'on aime. DP Express, c'est début en l'autre période. C'était début en l'autre période d'après moi. Ouais. C'était. DP Express vient rebattre 4 là. En quelque sorte. Il vient faire que business a fait ton lot de gens. Et forme d'auto que là, bon, je ne peux pas parler de DP Express sans pas parler de Papi Talon. Hein. OK. Et Papi Talon, oui, bon, Pierre Walcalto, monsieur ça, c'était monsieur qui pote en pile pour musique haïtienne. Dans OK. management, n'est-ce qu'ils sont pas de musiciens, mais dans la façon dont tu es managerial, c'est ton bagage qui. Bon, bien entendu, avant, tu es Guinda Nadia Kamon, qui était, si tu veux, un précurseur, avec Ouais. Chleu-Chleu. Très bon tour, mais monsieur Sao, mon cher, moi, je tiens chapeau devant. On est que font pile bail pour compagnie. Et pas Pitalone avec Pierre Walcap. Ouais, amen. Dans tout groupe, il y a des gens qui parlent comme ça. Dans tout groupe, il faut que les gens qui la cap mène l'équipe là que les gens ne connaissent pas. Oui, Et next Sao, c'est. c'est. N'est pas front stage, n'est pas devant, mais c'est des gens qui font des travaux. Sans next Sao, il y a des bails qui ne peuvent pas réaliser. C'est à cause du OK. sens de l'organisation, à cause d'une série de bagages qui fait que Jazz a été réalisé, ça a réalisé.
The Musician Show. Et m'a dit nous que si nous faisons brancher là, pas oublier nous sur The Musician Show, nous suivons le show. Et show ça passe chaque mercredi de 8h à 10h. C'est un show musicien que lié. Ok, nous parler de toute bagaille, mais en même temps, tout nous gagne de l'autre apport de musique, nous pouvons commencer à faire l'autre topic, mais quand même, nous avons un dans 4 musiciens, quand côté que nous toujours, et chaque semaine, nous gagne des invités de marque, et que nous faisons interview avec nous. Jeudi, nous avons décortisé Claude Maslin, nous avons tout ça, Claude. Fait l'ambisissant, donc en pile moun m'a fait moun yo revivre qui est ce que Claude c'est avec Claude c'est style on légende vivante que lié parce que il là toujours, donc c'est pas le yo aller pour nous vénérer non, et yo là toujours qu'on a Claude nous pour passer long l'autre génération. Et Claude, à partir de année zone nous commence à compter en 86-87 qu'on est à côté que m'étais parlé de ça dans tête choix. Côté qu'on y a, nous pral vin gon l'autre tendance, nous pral vin gon l'autre petit Claude qu'on y a, nous pral vin gon petit Claude qui a fait album solo, petit Claude qui a fait vidéo, petit Claude qui a chanté. Ok? Et par exemple, là, en commencement, je vais me dépasser en vidéo, relax mal, ou bien l'autre vidéo on fait encore. Et nous pral jouer petit Claude sur des projets en cours échappe. Essayer des musiques comme ça, par exemple, m'kwe musique ça, si m'ka fait une autre petite musique. Dis ça les roulé tambour. N'a fait mouille dans notre bail. Salut des monde qui fait cambalage là. On a le beau. Là, Claude, nous sentons si tendance à changer qu'on y a là. Est-ce que, parce que nous ne comprenons ça, parce que avec et Zouk là, tu es tellement va à une époque, ça va gagner les qui pas prendre en courant ça. Expliquez-nous l'époque ça et vous-même et comment tu vivais l'époque ça. Est-ce que c'est ça que Pralvin, même faut faire changement ça tout? Bon, avant que je parle de l'époque ça, faut que. Une grande expérience que j'ai fait avec Gérald Gasson. Ok. Et me fait peut-être un an, côté que je suis dans des cours d'harmonie. Et qui me fait que je définis mon autre compréhension de la musique après que je définis. Me faire un plaque avec Gérald. Tout. Et Marc, on appelle de Gérald. C'était un musicologue, un musicien extrêmement érudit. On a quitté qu'on appelle la gueule. Après, on appelle le monsieur. Donc, ça me fait que ça change moi. Et puis, l'autre expérience que je viens de faire encore qui change mon pile, c'est avec Caribbean Success, avec Toto, Original, et Boulevard Cour, Gary Depes, et Bagay Sao, viennent enrichir connaissance musicale. Parce que Caribbean Success, son orchestre, sont l'école. Caribbean Success, c'est pratiquement l'école, son bail, ou après, on a pile de l'offre avec ça. Et puis, il y a les frères Woodman et tout. Le frère Wittmeyer qui ont l'autre approche, mais qui permettent maintenant d'en pile le nez tout. Donc, tout le bagage, ça, aussi, tout le bagage, ça, qui vient de Bauticlo, ça, on tendait là. Okay. Toute influence de. Et puis, sans compter, j'en dis, et influence extérieure et tout. Des cassables qui tapent machin en pile. Ouais. Alors, là, une table est fontie, et tout, pour m'expliquer, tu jeunes mieux ça, parce que peut-être pas qu'on est, mais c'est pas la première fois que la musique haïtienne a été subi des chocs. Époque Kassab. C'est pas la première fois. Mm-hmm. Et là, par exemple, en Vendip Express formé, nous étions sur une crise pareille dans le compas direct.
avec Gramax, Exile One. Ouais. Et Monsieur Charles Justement, Aiglon. bon, moi, si je viens de commettre ça, gagne Ludi Lindor qui font commettre là, bon, mais c'est Cherchel. Et. Ok, mais commettre là. Et monsieur dit comme ça, est-ce que si Claude Capalem de frappe qu'on partait prendre époque Gamax Ah, International, qui c'est premier frappe que qu'on prend avant Kassav. Et bon, mettez comment ça sous screen là que Mounioka, exactement ça, monsieur Dia. C'est une question très intéressante parce que Oui. ça, je remercie l'outil de se poser une question ça, parce que ça a éclairé nos fonds Oui. de bagaille. Conseil de nec, par exemple, qui craignent que Combat Direct a disparaît, qui craignent que. Et ça, parce que Combat Direct a subi des frappes là actuellement, tout, OK. avec mouvement comme les bails, tout ça qui a besoin en Haïti actuellement. Yo. Oui, d'essayer des nouvelles tendances, Oui. des petits sourires, Exactement. de Exactement. African beat, bah qu'on est Tout comme à fait. anglais là, Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un peu de musiciens que je me parle avec eux qui pensaient que, ah, le Jim Claude, mon cher, qu'on va dire que dans quelques temps, qu'on ne va pas exister, et musique, ça va prendre. Bah, quoi. Mais pas quoi. Et qu'on va dire que là, pour l'haïtien, pour le peuple haïtien, c'est même genre avec le rock'n'roll pour les États-Unis, pour les Américains. Et rock'n'roll, là, par exemple, époque disco, rock'n'roll, là, t'es presque disparu. Non, changé. On ne parle pas de musique rock encore. C'était disco, tout le monde attendait des disco. Et musiciens, même musiciens qui étaient conduits rock'n'roll à l'époque, obligés à jouer musique disco. Tellement disco à l'époque. Et pourtant, rock'n'roll là, et ça le reparaît. Donc, Combat Direct là, c'est pour moi, c'est même bagaille là. Aïssé, Combat Direct là, dans lui-même, son bagaille que nous gagnons nous-mêmes, après son musique a besoin de disparaître. L'a changé, l'a évolué. Elle dit Peut-être, que malgré mais. frappe que Compa Direct la prend, il prend le tomber, mais il pas jamais fini de tomber net. C'est comme une dadou, ils sont au bambou. Il penche, il pas cassé. Bon, t'as beaucoup beau, hein? T'as beaucoup pour que ça la musique. Ils sont au bambou, le penche, il pas cassé. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai, parce que même pour Kounia, moi, je me songe, même après ça, Compa Direct a toujours en frappe, nous vînes gain, même époque, Raga qui me passait. Qu'on y a gagné, ça, les Afrobeat, ou un paquet de bagages. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre, c'est que, combat direct là, c'est que, les gens bagages là-dedans, parce que, faut que les gens sortent pour la danser, donc, on coutume la danser. Et, danser, ce n'est pas n'importe qui danser, faut que les gens. Combat direct là, son musique lovely. Ou quand même, avec une femme, je vais danser combat direct avec. Est-ce que vous comprenez? Ouais, Donc, ça veut dire que c'est peut-être ça, il n'y a pas de chambre, car on met n'importe quand dans ce rivet, mais bon côté le rivet, et mon a besoin ça, il manque ça. Je pense que ça, il y a vraiment, c'est. Mais maintenant, Claude, parlez-nous de carrière solo, parce que nous connaissons que nous pas besoin bail. Après, ça m'a posé une question, le jazz, qu'on passe, yo. Mais après ça, nous allons jouer un titre qui a évolué en solo. Et comment ça a pour jusqu'à présent avec justement avec et justement au faire ou font carrière solo qu'on a. Vous avez parlé de que ce carrière solo. Oui, et j'aime te dire là, nous allons jouer un autre titre à partir de l'époque ça et qui va commencer à faire des albums solo. Et où tu as même fait groupe tout, je me souviens qu'on groupe où tu as fait qu'il est. Et. Connexion. Claude Connection, tel Connexion. contact, tout ça. Donc, ou bien longtemps depuis que WAP évolué en solo tout. Et C'est jusqu'à sûr. présent que Claude a joué en solo. Et jusqu'à présent, comment. Qu et avant même, donc, comment qu'on a dégagé dans carrière solo, combien d'albums que Claude gagne non, pour lui-même, pas parler de plaque, album qu'on joue avec Jason, album que Claude fait pour lui. Pour peut-être pas. Moi, bon, je me rappelle par exemple, mon album Minor Stars 2, c'est Minor Stars, mais je considère pratiquement comme un album solo peuple mancin, parce que c'est pratiquement même qui t'écrit toute musique, c'est ton album qui t'est supposé un album peuple mancin. Donc, moi, compter la dernière, moi, compter par exemple mon album que j'ai fait qui est les 50-15-10, qui, soit album, ça, 50-15-10, j'ai capable de pratiquement, première musique éclair. Première musique éclair, c'est sur l'album ça que son musique que ça nous que me t'écris, que c'est Joël qui chantait, que c'est Moussi qui t'a fait avec moi, mon chéri de mariage, que c'est Ralph Bonsi qui t'écrit par audio.
Donc, pour rejoindre tout ingrédient qui est formé, c'est clair. Et même pour ça, c'est clair, pas tout formé. Ok. Même pour te déjà rejoindre tout embryon, c'est clair, un album ça, avec la musique ça. Avec, ok. Donc, après ça, je viens faire la colle. Ok. La colle, quand tu es passé l'émission au début, je me fais relaxer mal. Et puis, dernier bail que je fais pratiquement, c'est Take 5, son album guitare. Mon album, quand Okay. c'est guitare seulement, c'est la, comme d'expliquer ça là. C'est à peu près dans le genre instrumental. C'est un album qui bat qui chantait du tout, c'était guitare seulement. OK. Et puis, c'est ça. Même produit par exemple des musiques pour des groupes, par exemple Montréal. Il y a des groupes que je produis, que je composé pour eux, mais je passe le nom et je continue à produire malgré ça. Malgré que je pas fait album solo du jour, mais je continue à produire quand même. OK. Donc, un gros musicien a salué là tout. Mes amis, excusez-moi si je ne pas carré tout le monde parce que le gars, tout le monde qui monte dans la live là, n'a pas salué Robert Charlot, New Vice. Et qui l'en cas là, c'est nèg ça, monsieur, monsieur et fait évolution par tout, dans l'époque par là, dans la musique, dans l'époque technologie à paraître, dans la musique sequencer, d'une machine. Robert, et alors, Charlot, n'a pas de pour prendre Charlot, très, 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 très bientôt, c'est un. Et tout nèg ça, même les légendes, parce que nèg ça, jusqu'à présent, que yo gon, toi, ça, ou même, yo style rete. Nous respectons la nouvelle génération. Ralph Condé est un musicien de nouvelle génération. Tout. Mais même, j'ai un pile respect pour la génération. Ça. C'est peut-être ça que je commence avec la génération. Ça, pour me faire mon compte. Qui moun, qui génération ça. Ou l'autre question, dit Claude. Et donc, en fait, quand, ou pas dit non, non, combien d'albums solo ou bon, mes numéros, nous ne pouvons pas compter. Peut-être ça fait 6 albums solo. 6 albums solo, ok. 6 albums solo. Mais nous connaissons que nous avons Tito de Kounia joué sérieusement. Tito de jouer parce que pour côté Kounia, il y a des fois. Quand dit Toto, Toto dit lui-même, il y a un jazz, selon le budget, jazz à former. Il y a un jazz 10 nèg, il y a un jazz 8 nèg, il y a un jazz 3 nèg, même si il y a un jazz 1 nèg. Selon quoi bon. Mais il y a l'argent, mais il y a jazz. Dérèmè ça. Mais c'est ça lié parce que nous connaissons bien beaucoup dans notre vivre le monde de technologie à fond avant. D'ailleurs, Claude, Souka, ouais, Kassav, tout c'est avec ça, tu as battu tout parce que Kassav entre la technologie à force sur nous. Ça fait venir son nom, l'autre gens comme ça. Qu'est-ce que monsieur? Pas qu'à comprendre son ça, qu'on en a le dé son ça. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Soit dire c'est ça lié. Bien. Et maintenant, comment carrière solo, Claude, parce que nous, on joue assez souvent. Hein? Oui, mon cher, et bon, je ne t'ai pas parlé ça. Au contraire, monsieur dit me saluer, Touko Bouzi. Avant de faire interview, je ne t'ai pas le téléphone à monsieur, je ne t'ai pas expliqué monsieur ça. Que nouvelle formule que j'utilise actuellement pour jouer, c'est comme ça marche très bien. Bon, j'ai perdu un petit tabou de mon répertoire. Et mon Dieu, t'es bien apprécié, tu te ramènes en pile, et puis tu as un pile de contrat. Mais malheureusement, bon, je suppose que nous tous dans le même cas. Et problème de pandémie, ça a vu faire que tout va camper. Ouais, ouais. Et pour moi, son très mauvais timing, son... parce que j'étais justement en pleine ascension avec une nouvelle formule. Ça. Ok. Donc, bon, comme nous pas qu'à, nous pratiquement pas qu'à faire rien, donc c'est retendre après retendre pour nous voir comment va évoluer. Espérons que ça va aller mieux. Définitivement, parce que là, qu'on a nos vies, nous avons business en vie changée, je vais vous faire une émission sur ça, tout, parce que nous, en pile, on a parlé de comment Jean. Que bah encore on a vu ça vient changer bizissant oui changer bizissant mais en même temps tout et pour nous cap dit bon comment bon m'capozo même question comment ou même en tant que musicien qu'on va vivre et moment ça et que nous tout a passé là bon en tant que musicien même, d'ailleurs moi-même chaque musicien fait. Vu que on est intégré avec la CAIO parce que c'est sa autorité sanitaire dit nous donc mais c'est composé mais c'est amélioré techniquement et mais c'est utilisé comme le oui. Plus si tu veux logiquement possible le plus rentable possible okay. Et mais bon j'espère que ça va durer longtemps parce que son bac est très éprouvant quand même pour on est habitué à performer ou habitué à rencontrer le monde ou habitué et pour retrouver nos situations ouais. Côté que il est éprouvant yeah.
Et surtout nous-mêmes musiciens, c'est mon cas dit que nous-mêmes, parce que malgré problème ça, nous sommes jeunes monde qui le travail. Mais nous-mêmes, quand même, et nous c'est un monde qui prend big hit là. C'est nous qui affecte plus parce que nous-mêmes travail nous, c'est rassembler monde. Et qu'on a là, nous pas qu'à rassembler monde. C'est sûr. Et Donc moi puis, c'est que bon, les contacts là, public là, tout ça manquait moi-même, parce que, oui. et en dehors du fait que public là, c'est des clients, mais c'est des amis, tout. Ouais, C'est des c'est mondes ça. que moi aimais, c'est des mondes supposés qui aimaient tout. Ça manquait, moi. Donc, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, quand même. Bon, et nous avons fait une émission pour ça, parce que nous, je vais te la virer, parce que formidable du tout, Claude, nous avons une émission qui a fait que musiciens ont commencé à pouvoir bailler l'autre gens, parce que musique l'a virer, parce que et faut nous pas mettre seulement panier, nous, et ils ont un grand panier, c'est-à-dire que compter sous balle là, en tant que musicien, si nous avons fait business musique, gain l'autre. Et il y a l'autre gens que un musicien qui a gagné un income sans ou pas obligé. Parce qu'il faut toujours m'être dit, OK, après, si je ne passe pas sur stage encore, qui ça a fait? Est-ce qu'on ça m'a là? Donc, et bon, question là, oui, qui ça, Gérald Jim là? Ah bon, en parlant de Eddie Ouli, mais Eddie Ouli fait compter là. Bon, regardez si Ah. Eddie gagne les Zumba là. Bon, checker Eddie. Et belle initiative, Walconde, Claude Bayer, ok, bon bagay, ok. Et bien, Eddy Ouli, nous t'avons parlé de DP Express, Mabdou Soufek Ponte, Wabge pour passer l'anchoado, parce que c'est pile les jeunes, ça, parce que même son honneur pour moi, elle m'a fait interview avec nous, parce que même moi, je suis très bas devant nous, parce que je m'apprends en pile de nous-mêmes jusqu'à présent, nous étions des légendes. Eddy Ouli, gagne en balave là, monsieur Salio, tout Claude. Mon cher maestro, je suis content qu'on ait entendu ça parler là parce que ça a pété chaud quand même. C'est de musique, vous n'êtes que on malade même là avec nos deux musiques là, donc c'est ça. Mais Claude, et bon album moi quoi que ou t'es photo assez ou même avec Robert Martino. Ça son album solo t'es pas vrai? Moi que c'est ou même qui son album ça. Pas songe comme album ça, il pas si c'est Top Vice, mais son album moi ouais ou même et avec Robert Bon, sous c'est plaque bien. album ça. Bon, et ouais, en photo même à Robert. On trouve une très belle photo là. En photo même à Robert sur Facebook. On peut autre comme t'es publié. Mais photo ça, c'est un extrait d'une séance photo que tu fais Oh, OK. pour deuxième album Top Vice là. Côté que sous pochette album là, t'es gain Freddy, t'es gain Charlot, Robert, puis moi-même. OK. C'est le deuxième album Top Vice là, qui était une musique qui était marché très bien sur lui. OK. Qui était, ouais, musique ça, qui était les si. Pas OK. qui t'aime, Dodo. Musique ça, qui était les pas qui t'aime, Dodo. OK. C'est ton duo avec Sabrina Cole Johnson. OK. C'est ton duo qui t'a marché très bien, ouais. OK. Donc, photo qu'on voit à Mme Robert, là, c'est on extrait, donc c'est il y a plusieurs photos que tu as faites. Ouais. Les photos, ça, c'est on a. OK. M'gwem gen original, oui, là, en balab là, tout, original Bolika, m'gwem ça, parce que m'gwem un pile mon en balab là, là. Ben mon cher, ça fait un plaisir en pile que tout le monde s'est attendu de nous. Oui. Et, bon, Claude, on l'autre question m'a posé. Nous connaissons que Claude son guitariste qui versatile, parce que si vous cachez dans tout groupe ça, et dans chaque groupe ça, vous avez un flavor différent. Lorsqu'on dans Gypsy, Difficile, son l'autre groupe. Ou virer dans Caribbean 6-7, nous t'ai dit tout ça l'autre jour, c'est le seul groupe vraiment que son compas, c'est comme si son compas qui a joué à la jazz. À des Très jazzy, très cordio, jazzy. très jazzy, on prend et bien ça. L'on prend Zéclair, et dans Zéclair, c'est son C'était lot, plutôt rock. son C'était rock, rock vraiment and roll. Après ça, on vient dans Connection, on fait rock. bien, et on vient dans Superstar, I mean, bon, name it. Dans tout groupe ça, Claude, qui groupe qui plus marqué ou qui est-ce qui fait plus impact sur vous? C'est difficile, c'est difficile. Parce que, ouais, j'aime d'adou là. Ouais, Deep Express. Premier type express là. Moi, vivre des moments avec orchestre, c'est des bagailles qui indescriptibles. OK. Et il y a des aspects dans Deep Express là qui marquent en pile. En pile, en pile, en pile. Et Caribbean 6-7, son orchestre qui marque d'une autre façon. Parce que Caribbean 6-7, tout. Ne serait-ce que dernière expérience que nous faisons à Caribbean 6-7 là, dans Tarazu dernièrement, nous faisons un bal extraordinaire.
ben, qui était peut-être 2000 monde en Taraz, et donc ça tape excessivement bien avec tout musicien. Et pour ça, bon, nous perdons du boulot malheureusement, mais boulot, et pour ça, intelligemment, d'acheter avec nous, c'était ben, extraordinaire. Donc, chaque orchestre a remarqué peut-être d'une façon différente. Superstar Music Machine, je me fais un carnaval avec Superstar, qui était le Superstar arrivé. OK. Ralph, man, ils sont pas incroyables, carnaval, ça. C'est des bails que l'on vit, Bien pas sûr, bien oublier. sûr. Ouais. Et Superstar nous t'es arrivé. sorti pour ça. Nous t'es sorti et Oh, nous fait en trois carnaval. jours, nous fait trois jours à marcher sur tout le monde net. Ouais. Carnaval, c'est terrible, très chargé. Donc, chaque orchestre a remarqué d'une façon différente. OK. Et Zéclair fait des concerts, des bagailles qui étaient dans la tête, tout le monde qui était vivant à Zéclair. Et Zéclair font orchestre tour qui, d'une certaine façon, marquait ma ville tour. Ouais. Donc, pas qu'à dire que tel orchestre marquait plus passé que l'autre, parce que chaque, d'une façon, marquait d'une façon différente, si tu veux. C'est comme si me demandais, et alors me connais, alors me demande aux questions quand même. C'est comme si me demandais ou bien deux petites, ma bonne ok soupirer. Ouais, un peu, ouais, un peu, c'est ça. Non, mais connais, mais quand même, m'kadjou que même c'est tout le temps, il y a toujours à demander, mais il y a toujours à dire bon, Ralph. Et dans tout jazz ou passé, oh, qui jazz, eh, qui pourrait aimer, bah, toujours répondre au même gentil. Mais quand même, ou toujours, bon, chaque. Et musicien toujours, bon, préférence quand même. Ou bon game, bien jazz, peut-être toujours la danse, c'est vrai. Ou remède, mais bon, l'autre, c'est même gentil, l'autre a joué musique, bon répertoire, bon musique, copier, mais je ne joue pas son l'autre. Ou C'est bon. sûr, Donc, c'est sûr. Non, mais c'est. encore un, ouais, encore un chantier, encore un chantier, c'est sûr. Mais prenons le cas, par exemple, Abdo. Moi, j'ai commencé à jouer avec Caribéen, peut-être en 82. Dernier concert que j'ai fait avec Caribéen, Natarazza, c'était 2005, 2006, je ne sais pas si exactement, c'est début 2000, dans les années 2000. Donc, ouais, combien de temps que je me passais après Caribéen succès? Ouais. Zéclair, idem. Zéclair, idem. Donc, orchestre, ça, forcément, forcément, ne serait-ce que dans la durée, il y a pas encore plus. Parce qu'on passait plus de temps à jouer avec. Ouais. Mais, ceci dit, qu'il y a l'autre orchestre, que me passait peut-être moins de temps, par exemple, Superstar me passait moins de temps à jouer avec lui, mais qu'il y a des moments intenses, qu'il y a des moments dans Superstar qui étaient vraiment intenses, qui étaient dans la tête, et tout. Et bon, mon expérience que me fait que nous ne parlons pas de lui, mais qui était très importante dans le tout, c'était Jacob Music. Oui, bon, c'est sûr, on va Et aller. Jacob Music, c'est l'orchestre qui, quelque part, une carrière, mais qui m'a quitté OK. marquer mon pile en pile en pile. Et me passer des moments extraordinaires avec Jacob Music. Donc, toute Bien. bagaille, ça, c'est des bagailles qui m'accordent différemment. Et, mais on pas qu'à dire que ça m'accorde plus qu'on l'autre. Ouais. Ouais. Parce que vous faites des CD en pile tube, toi, avec et toute musique, tu n'as pas de Jacob musique, tant qu'au Oui, musique, il me tant fait quand même deux qu'au. disques avec. Bon, Ma des seule disques que folie, Brassman c'est vous-même qui produit les jeux pour lui, ouais. musique, ça. Et tout est. Ma seule folie, quoi, c'est que tes jeux musique, ça. Tout est. C'est ma seule folie, c'est mes composés Vous avec composez. Ah. musique et paroles. C'est-à-dire que forme donc OK. dans pas seulement musicien, mais mes critiques sous. OK. Ah, ça ne me dit pas de comme ça. Bon, Mais. profitez de tout ça. OK. Good, Mes good. critiques sous. Donc, ça veut dire que Claude. Tout album ou faire, toute musique qu'on compose, c'est vous qui faites ni texte. Non, pas toutes, pas toutes, pas toutes. C'est pas tout? Pas toutes. Ok. Par exemple, la colle. La colle, c'est un plus gros succès que je fais, c'est même que je fais par lieu, même pas de dire en pile. Bah, la colle, là, c'est pas une musique qui est un gros texte, mais elle t'est marché en pile. Musique, musique ça, musique. C'est. Ah, c'est. Musique ça. Alors, musique, ça a vraiment un cadeau que. Son bail, son tir spécial. Parce que moi, je joue guitare dans la musique, ça. Et moi, je fais programmation. Parce que je joue en boîte à rythme comme je veux là. Moi, je fais mes OK. programmes. OK. Moi, je basse la donnée. Oh. Et puis, moi, je fais les vocales, et puis, je fais le background vocal. Ah Donc, ben. Eh ça, bien, c'est ça la justement, c'est. technologie. Bon, vous équipe pour les regarder, par exemple, yo, par exemple, moi, j'ai des. Alors, je dis tout le monde qui. Moun ki en bala là, sinon, tu as remis sur YouTube. Et chaque semaine, moi, j'ai des tutoriels que je bail sur YouTube. Je bah tutoriel sur guitare, je bah tutoriel sur basse tout. Il y a pile monde tout qui saisit où m'a joué basse. Mais il y en a pour nous comprendre. Au musicien, lorsqu'on musicien, on gagne assez ou instrumentiste quoi. C'est pas parce que ouais mon tout le temps depuis longtemps là joué guitare et puis c'est ça qu'on fait seulement. Youn, par exemple, gagne avoir un par exemple et mais même en tant que son studio producer.
Lorsqu'on studio producteur supposé, parce que pour sequence, il faut qu'on ait une notion dans le keyboard. Il faut qu'on ait un keyboard. Ce n'est pas qu'on ait sequence même la guitare, tout, mais ce n'est pas même bagaille. La sequence à keyboard. Mon connaissance de keyboard, mon connaissance de guitare, mon connaissance de seul instrument que je dois jouer, je vais jouer ses vents, je vais jouer sa batterie. Mais tout instrument harmonique, je vais jouer tout. Donc, mais c'est formé tête. Donc, il y a des gens qui ont joué un keyboard, ou joué une basse, ils ont saisi. Comme si, oh, moi, je n'ai pas de bon son, on joue une basse. Non, parce que je ne dois pas jouer une basse là devant live, même quand pile, c'est même j'entends là, et musique qui sortit là, et son musique, elle est, je m'en fous. C'est moi qui fais keyboard, c'est moi qui fais guitare, c'est moi qui fais basse. Est-ce que vous comprenez là-dedans? Donc, c'est pour une bonne raison. Donc, ça a son autre aspect que moi, je ne pas connaître l'on musicien. Il faut chercher qu'on est que musicien qui a son instrumentiste, que dire. Alors, Donc, ça. Mabjo, si vous permettez mon petit motion, Oui. Mabjo, que moi-même, d'expérience, par exemple, j'aime taper ces chorales, la colle, son musique, que mes paroles, je me fais pratiquement tout le bagage là-dedans, à part bagone vocale, et puis, une quoi solo, synthé, c'est mon chic de faire. OK. Et, mais, le par exemple, où font bagage, qu'on savoir faire, où font musique, et puis, idée qu'on a dans la tête, toi, ou pas jamais voir nos nègres traduire aussi bien que vous-même. Par Oui, contre, c'est vous écoutez vrai. bien alors. Ça veut dire que lorsqu'on va à la tête, lorsqu'on a inspiration, gagner la technique ou pas permet tout faire. Vous êtes obligé pour un musicien qui a plus mon technique, parce que, par exemple, dans la basse. Mais là, par exemple, pour capable de faire vous-même, ou la technique pour faire, ou pas jamais voir le monde qui interprète le mieux que vous-même. Parce que c'est au compte Définitivement. qui soit l'étendue, c'est au compte qui soit le fait. Définitivement, Ouais. Donc c'est très important, par exemple, l'on est fait, ça permet, technologie permet de nous faire gagner, hein. L'on fait musique, maximum, bah, vous capable de faire même, bientôt faire lire, parce que, ou c'est meilleur interprète et tout. Ouais. Et ça, c'est un petit détail que, je vais le faire ressortir. Et je me suppose que, en plus, la musicienne, c'est capable de comprendre ce que je veux dire. On l'autre question m'a posé autour. Est-ce que Claude fait partie d'une organisation de droits d'auteur, tant que SACEM, ASCAP, BMI, une organisation ça? Oui, moi, membre de la SACEM. Ok. Eh Depuis bien, c'est longtemps. bien. C'est ça. Parce que lorsqu'on Depuis musicien longtemps. ou son compositeur surtout, ou a composé, ou a fait album. Et donc, il y a un bagage tout m'a dit que, et au contraire, m'a tout mis au courant de ça. Et m'a parlé dans le commencement, m'a dit que, et, bon. Question de droit d'auteur, là, on a fait une émission sur ça. M'a invité Joël Udmaier, justement, pour nous venir Alors parler là, par de contre, si questions. Robert, là, toujours, mais m'a encouragé Robert, parce que moi, Robert, son gros défenseur des droits d'auteur pour les Oui. compositeurs haïtiens en Haïti. Oui, Sénèque qui est Donc, toujours à c'est très Boumé. nécessaire. Oui, c'est Sénèque. Oui, que, oui, n'a pour nous faire une émission sur ça. Et justement, on t'a parlé de. On t'a fait commencer l'émission ça. On t'a dit que l'importance pour nous gagnons union des musiciens qui est très important. Parce que union, on gagne un peu de musique par l'union. Par exemple, on connaît et dire que aux États-Unis, nous gagnons AFM, c'est American Federation of Musicians, c'est union des musiciens. Que l'on inscrit dans l'union, ça, sont protégés. Et tant qu'on a un gig, et c'est au fait prix pour vous, on va poser. Au Canada, quoi vivre au Canada, et Canada, c'est CFM. Okay, c'est Union des musiciens au Canada, CFM. Donc, on fait même bagarre. Donc, alors, c'est tout bas, ça, qu'on va apprendre dans le show, ça, parce que nous, c'est un show éducatif lié, nous apprenons business, musique, parce que nous avons pile, c'est dommage, nous avons pile musicien qui a fait business et qui a fait musique, Claude, mais il n'a pas fait business, musique. C'est pour ça que les nègres pas sous scène encore, les nègres pas aucun revenu parce qu'ils n'ont pas placé tête yo et la condition pour yo joindre tout bénéfice ça. Et encore, vous café recherche là au Canada, c'est CFM. Bon, CFM, au c'est. Canada, il y a ça, oui, la guilde des musiciens et tout. Oui, donc Et au c'est syndicat qui fait à peu près même si le travail. même travail. Toto, qui ça va pas, le tout le monde de la guilde. OK. Ok, c'est bien. Mais sauf, so et moi, l'autre jour, j'ai fait une émission avec Toto. Moi, Toto a dégagé là, c'est bien, là, en Canada, bien que je me connaissais pour manger qui est facile. Et, mais on même, et quoi, moi, a dégagé, justement, en Montréal, parce que je me connaissais là, et la Corée.
Bon, moi-même, moi plus des ouvertures sur l'extérieur. Hein. OK. Par exemple, dernière prestation que je fais, c'était surtout aux États-Unis. Et moi jouais à Chicago, moi jouais à Detroit, moi jouais à Miami. Et pas joué autant Montréal. Et c'est comme si nous que carrière moi était mieux. Promotion carrière m'a été mieux faite aux États-Unis qu'au Canada. OK. Donc, mon diaspora qui vit aux États-Unis a un travail mieux que mon qui haïtien, mon d'origine haïtienne qui vit avec Montréal. Donc, ça fait que, meilleur, si tu veux, moi gagne plus d'opportunités sur les États-Unis États-Unis, ouais. et que sur Montréal. Donc, bon, mais forme d'aucun, malheureusement, je me tape tout à l'heure. Et ça te commence à venir de plus en plus, Montréal. Par contre, j'ai commencé là, par exemple, pour moi qui a venu là, m'obliger à annuler plusieurs contrats que me déjoignent. Ouais. Mais malheureusement, avec ben, ça nous est là actuellement, tout va compter. Ouais, c'est sûr que tout est bien campé. Mon cher Claude, avant d'aller, m'a posé des questions. Et qui ça, Claude, a travaillé qu'on y a ou gain aucun nouveau projet? Même là, nous connaissons que business en campé, même supposé que ou gain studio là, qui a toujours travaillé. Est-ce que ou gain projet à travailler sur l'autre album? Bah, connaît qui ça que Claude a fait le moment? Mon cher, bon, semaine passée, là, j'ai fait finir avec la musique, que j'ai fait composer. Donc, j'ai l'impression que ma page chemine vers mon prochain album, solo de Claude Massin, tranquillement. Ma pas cumulé des musiques. Alors, forme donc, moi-même, là, je fais un album, mais, comme d'expliquer ça, je ne parle pas de album pour faire un album. OK. Généralement, l'aime faux album, c'est parce que vraiment, je me suis senti une déconvenue, je me suis senti une inspiration descendre. Bon. Donc, c'est ça qui fait que peut-être je ne peux pas produire l'album vite, je ne prends pas le temps, je n'ai pas de deadline, je n'ai pas de pression. Donc, je m'ai composé au fur et à mesure, je m'ai choisi, je m'ai fait des choix, si tu veux, et sûr de ça que vraiment je vraiment OK. voulais faire. OK. Mais là, je m'a composé de musique là, à côté que moi, je suis très satisfait du travail qu'on a fait. Donc, probablement prochainement, là, mon album solo, que je Ok. Mon cher, merci Claude. Mon cher, je ne sais pas comment pour me dire merci encore. Mon cher, c'est un honneur pour moi parce que même ces choses à les deux musiciens, mais même c'est un honneur moi pour me parler avec Génie Sayo parce que dès que ça m'apprend de yo. Et je suis assez chaud lieu. Je pour me reparler encore, Claude. Je ne sais pas second dernier mot qu'on a dit tout le monde qui est la vie là, tout en public là, avant d'aller. Oui, c'est sûr que m'a remercié tout le monde qui tape dans des murs. En particulier, m'a remercié Robert, Toto, Un peu de musée Eddie, là. Charlot. Hein, et m'a remercié Nexer en pile parce que t'es dit, mais Napolitain. y a une côté chouette, il vient de tout bon. Donc, ça fait un plaisir. Ouais. Et puis, bon, on est chaud, ça, c'est surtout de moi, nous t'a parlé. Oui. Mais Ralph, faut me féliciter. Je me félicite parce que je me trouvais que très dynamique, on a fait bagaille avec le sens du sérieux. Merci. Et dernier, bon, dernièrement, nous ferons un show ensemble New York. Mon cher, Oui. vous êtes impressionné, ma douce franchement. Je me trouvais que soit fait très, très, très bon. Continuer dans la ligne où il y a. Et Merci. pas seulement musicalement parlant, parce que show là, très bon tout. Oui, Donc. oui, oui. Nous, obligés de faire un bail parce que j'aime tout. Et nous, pas qu'à faire même bail que tout le monde a fait parce que tout le monde a une chose, c'est vrai. Mais une chose, ça m'a les deux musiciens chaud. Côté que nous-mêmes, musiciens, nous connaissons comment pour nous interviewer aux musiciens parce que nous connaissons comment pour nous et poser des questions. Nous avons pile bagaille que nous-mêmes en tant que musiciens. Parce que l'on musicien a fait un show avec et avec l'autre monde qui doit faire un show, c'est deux bails différents parce que les musiciens ont l'autre. Gon l'autre gens nous bail nous-mêmes. Vous comprenez? C'est sûr, Donc nous pas c'est qu'à sûr. faire Bon, même bail. langage que c'est entre musiciens que Oui. nous comprenons. C'est Mon même cher. surtout, par exemple, et tout gros ingénieur de son yo. OK? Et c'est musicien que yo, c'est musicien que yo teye. Vous comprenez? Parce que par exemple, on jazz gen wap jwe là, on a mix show là et puis Gon solo privé là, avant de réaliser que c'est tel nek qui en solo, il n'y a pas parce qu'il n'a pas de sens là. Mais si son musicien c'est cap ma jazz, automatiquement, je le sous jazz là. Il entend tout ça qu'il a fait parce qu'il comprend le langage là.
Robinton. Non, ça de là, c'est sûr. Et on est quatre façons et puis qui musiciens sont plus. Ouais, Sans plus, c'est définitivement. sûr et certain. Définitivement. Eh bien, Claude, merci beaucoup, brother. Et n'a dit encore merci. Et n'a pris en contact. Et c'est sûr que nous te disons que bientôt, m'a rappelé Mounio. Et nous t'a souhaité bayo, passer n'a bien. Nous te font belle show, même, petit Claude, petit Raoul, New York, nous te font belle show. Eh bien, mon ami, pourquoi est-ce que ça? M'a dit Mounio. Et bon, c'est sûr que par contre, si la fête année ça, parce que Jean Bayo y a, mais si bon Dieu bah nous vit, nous l'a toujours pensé que n'a bon show, parce que pour nous, ouais, si Claude avec Ralph Condé, sous scène encore, et surtout en Floride, Cap Mandemza. Ralph, mon cher, merci. Et puis, Kimber là, mon frère. Pas de problème, Claude. Qui parle de vous? Thank you. Vous êtes bien branchés sur le Facebook Live en compagnie de Ralph Condé.